Hey, bienvenue pour une nouvelle custom story qui s'appelle, je l'ai peut-être, Solid Sacrifice. J'ai peut-être marqué avant. Alors, que se passe-t-il? Nous nous réveillons dans une prison. Nous avons noté quelque chose. Oh là là, oh, il y a beaucoup de texte pour une petite note. Alors, je suis réveillé dans une étrange cellule, blablabla, des rêves, blablabla, de la douleur, blablabla, des voix, blablabla, bite, blablabla, poil, blablabla, gros sein, blablabla, médecine. Alors, je n'ai pas de lampe. J'entre. Je n'ai rien du tout, c'est cool. Alors, je pense qu'on a dû me torturer un petit peu. Apparemment, cette custom story est assez bien faite, enfin de ce que j'ai pu en lire. Tiens, on va aller là, on va ouvrir ça. I don't think I can break it open. Ok, bon, bah tant pis. Alors, ah, attendez, il y a peut-être des items par là. Genre une lampe. Ah, du sanity. Du laudanum, je sais jamais si... Quoi, oui. Wow! Il y a des rochers qui tombent. Ne me dites pas que je dois faire un truc pour escalader. Ah non, ça va. Tiens, allons dans cette autre cellule qui a l'air complètement fermée. The Lock Simwick. Simwick. Enfin bref. Je vais balancer un truc dessus. Tenez, avec un rocher qui. Non, je peux pas le soulever celui-là. Quoi? J'ai cassé? C'est quoi ce délire? J'ai sorti le truc là. Regardez, ce cadenas n'est attaché à rien du tout. C'est de l'arnaque ça. Il est juste attaché à la porte et je peux pas le sortir. Ça sent le bug là. Bon bah hop. Oh attendez, il y a un autre truc par là. Bon, je vais monter les escaliers, on va voir s'il y a quelque chose. Là, il n'y a rien. Est-ce que je peux sortir par là? C'est fermé? Il y a besoin d'une clé? Il y a un gros, gros problème. Monsieur? Monsieur? Monsieur, 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 monsieur. Monsieur, qu'est-ce que je dois faire? Oh là, ils jouent au bonto, les mecs. Wow! Oh, trop bien. Oh, j'aurais trop voulu qu'il y ait la clé en dessous. J'aurais eu trop l'impression d'être chanceux. Bon. Ta-ta-ta-ta-ta. Y a-t-il quelque chose? Est-ce que par hasard je pourrais scier le truc avec ça? Qu'est-ce que je dois faire, bordel? Je suis déjà bloqué, c'est magnifique. Transition. Mon Dieu, faites que ça marche. Bon. Ok. Pas de panique. J'ai résolu le puzzle. Non, le fait que le machin s'était défait sans le cadenas, ça m'avait un peu... voilà. Voilà. Ah gna 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 gna. Poignard. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir poignarder? Je vais peut-être enfoncer ça dans une serrure et... Et diantrement ouvrir la porte. Poète. Quoi? Mais c'est pas possible! Qu'est-ce que c'est de cette custom story? Sur quoi je dois utiliser mon poignard, bordel? Mais y'a rien du tout! Je peux poignarder que dalle! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ce poignard? Ah! Oui! Le coffre, j'avais oublié! Oh,
Yeah! Allez! Où est une Bible? Sortons de cette pièce. Cette pièce. Ah! Oh, j'ai enfin passé ce premier niveau. J'ai cru que je n'y arriverais jamais. Chargement. Oula, non. Il y a une idée, mais ce sera pour le prochain chargement. Si j'y pense. Oh, bon, c'est long, hein. Long chargement is long. Monsieur? Monsieur? Monsieur, vous chargez? C'est pas possible! C'est quoi cette custom story? C'est quoi cette map qui met 10 ans à charger? C'est pas possible! Ah. Ça y est. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Étoile batch. Avançons dans les ténèbres. Oh mon dieu, mais ces maps ont un design tellement jamais vu. C'est quoi ce bouquin? Les voyages et triomphes de l'amiral Van der Klurt. Ces tableaux ne s'enlèvent pas. Attends, si je devais décrocher ce tableau pour trouver une clé derrière. Ouais, je vais aller plutôt du côté de la bonasse d'ange là-bas. Ouais, c'est bien éclairé ici. Quick! Wow! J'ai cru que j'avais cassé la chaise. Alors. Non, ça s'enlève pas. Ce tableau non plus n'est pas bougeable. Oh, une huile, ce qui veut dire qu'il va bientôt y avoir une lanterne quelque part. En plus, ça rime. Trop bien. C'est quoi? Merde! Je voyais pas bien ce que c'était, j'ai cliqué dessus. J'ai dépensé une Tinderbox, c'est insupportable. En voilà une de rechange. Oh, je sens bien qu'il y a une machine là-dedans. Une lanterne. Ouvrons ce premier truc. Et y a rien? Mais c'est l'arnaque! Il y a deux coffres pour une boîte d'amadou! Ça ne bouge pas. Instrument. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, c'est quoi ce truc qui s'allume? Ça sert à rien tout ça. Putain, mais il y a quoi là? C'est des ombres? C'est des mannequins. Bon, est-ce qu'il y aurait par hasard une lampe? Lanterne? Qui sert à rien. Ah, une note. Ah, elle est là, putain. Je suis trop bête. Ah, je dois mettre de l'huile en plus, quoi. Je dois gâcher le seul pot d'huile que j'ai déjà dedans. Alors, on s'en fout. Ah. Oh, le mec s'appelle Willard. Willard. Ah, j'ai quand même noté un truc, tiens. Alors, une clé pour le machin de vin et caché quelque part dans la chambre des artistes. Ouais, suis-je dans la chambre des artistes? C'est une excellente question. Ah, là, il y a un truc caché derrière ça. Ah, oh, je suis tellement content d'avoir ramassé une boîte d'amadou supplémentaire. Qu'est-ce que je pouvais tenir, là? Ah, c'est ça, je peux tirer. Bon, sortons d'ici. Salut. C'est quoi, ça? Ok. Je suppose que... Donc ça, c'est instrument. Putain, il y a des pancartes pour chaque truc, c'est génial. Attendez, je vais voir si cette porte ne se serait pas magicalement ouverte entre-temps. Non, je suis obligé d'aller du côté sombre, là, que j'ai pas envie d'aller. Bonjour. Oh non, c'est horrible ça comme tableau. Ce genre de tableau devrait être interdit par la loi. On va laisser une porte ouverte, là.
poète. C'est insupportable. Ce style ancien de tableau ne me convient pas. Alors... Il y a encore une note. Wow, il y a un rat dans le truc. Alors, blablabla, gras à 1000. Bon, j'ai rien noté, c'est qu'il n'y a rien d'important dedans. Trop bien. Sortons de cet endroit maudit. Venons en piste de flou. Des années d'expérience de Gollum. Ah ouais, je sens que ça va être la custom story qui va bien nous limiter dans l'huile. Ok, ça va être bien chiant là. Je vais passer des niveaux dans le noir. Oh putain, c'est quoi cette pièce de fou là? Wow! Wow! Bonjour, est-ce que c'est la chambre des artistes? Et je suis totalement paumé dans ce donjon, enfin dans ce château. Puis quand il y a des bruits comme ça dans ce jeu? Oh, quelqu'un a rangé les chaises, c'est trop bien. Moi je fous le bordel, je suis pas content. Après une clé, une note. C'est ce piano qui fait du bruit là. Bon, je vais remonter par là, je vais voir où ça retombe. Wow, 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 wow. Au fait, je crois que... Ok. Je suis obligé d'aller par là, il n'y a rien d'autre. C'est génial. Ça se trouve, la chambre d'avant, c'était la chambre des... Là, j'avais trouvé la note, c'était la chambre des artistes. Parce que là, je sens bien que je vais bientôt être à la cave à vin. J'en ai toujours pas la clé. Alors, le wine cellar, ouais, bah c'est ça. Donc, je parie que... Ah merde, c'est ouvert. C'est la chambre des artistes, elle est où, du coup? Poète. Pas de clé, hein? Non. C'est où ça? C'est un labyrinthe ici. Bon, allons par là, mais sans conviction. Je sens bien qu'il va nous manquer une pièce. Ouais, c'est ça. Je sens bien que c'est pas la pièce des artistes ici. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh, laissez-moi tranquille. Oh, et puis c'est redevenu des cochons en plus. Bon bah je sens bien que j'ai raté la clé quand même. Hein. C'est cool. Ouais, j'ai plus d'huile, c'est génial. Bon bah on va arrêter cet épisode là pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a juste un mur. Donc je vais probablement aller rechercher la clé. S'il se passe rien, je vous ferai cadeau de ce cherchage de clé. Donc rendez-vous bah, à demain pour une nouvelle vidéo. À plus.